sais, Proxy. J'ai ressenti leur présence. Mais c'est le seul endroit où je pourrais en apprendre un peu plus sur mon père. Ah putain, ouais, ça c'est classe, ça, les mecs. Donc on se retrouve comme prévu sur le DLC que bah, je vous avais dit, en fait. Sur le temple Jedi. Donc on est sur Coruscant et on est parti. Allez, on est parti. Voilà, ça c'est fait. Oui, ils ont mis plein de temps à dire. Voilà, 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 on y est presque, voilà. Ça c'est fait. Oui, alors ça c'est la merde. Ça je vais pas vous mentir, c'est bien chiant à faire. Voilà. Et maintenant à son tour. Qu'est-ce que c'est, une galère sur PC? Se trouve de l'autre côté de l'entrée. Si l'accès est bloqué, tu devras te débrouiller comme tu peux et trouver un moyen de passer. Donc évidemment, c'est un rapport avec la putain de cinématique que j'ai pas pu vous montrer. Ça, ça m'a bien énervé. Énergie limitée, mais allez, on s'en gêne. Voilà, on s'en fout de leur religion. Les Jedi, ils ont une religion pourrie, mieux vaut les Sith. Allez, hop. Donc là, ce qu'il va falloir faire... Eh merde, j'aurais aimé faire en sorte un truc un peu classe, genre on n'ouvre pas complètement et voilà. On peut lever complètement, mais moi je trouve que ça fait plus classe de... Tu te trouves dans une chambre d'entraînement des Padawan. Attention, il est probable que les droïdes d'entraînement soient toujours opérationnels. Entraînement pour Padawan. Ah bah putain, les Padawan. Ah oui, mais c'est vrai, là faut pas les buter, là je crois. Enfin... Ou alors faut péter. Et ouais, c'est ça. D'accord. Oh, la chose que j'ai horreur à chaque fois, c'est ça. C'est le focusisme. Et dans ce jeu, malheureusement, on est servi. Non mais dégagez encore une fois, putain. Mmh.
On est d'accord, là c'est les derniers. Oh, arrêtez le focuisme, merci beaucoup, ça me ferait plaisir. D'accord, d'accord. Super. Eh ben dis donc, les pauvres padawans. Si c'est pour les padawans, ça, alors j'imagine pas le truc pour entraîner les maîtres. D'accord. Très bien. Donc là, il va falloir retourner en arrière. Alors, je vous mens pas, celui-là, c'est vraiment... Des 3 DLC qu'il y a, c'est vraiment le plus pourri. Et il y en a... Mais bon, franchement, c'est rattrapable, étant donné que les 3 autres, ils sont... Les 2 autres, ils sont géniaux. Enfin, en mon sens, hein, parce que pour moi, cette mission-là... Elle surpasse pas les 3 autres missions de la PS2. Arrête où je tire. Ah, bien sûr. Voilà. Alors ça, par contre, je compte le laisser ouvert. C'est galère pour remonter. Oh là 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 là, direct on reprend et c'est comme ça. Alors excusez-moi si j'ai pas trop interagi avec les personnes dans ma chambre. Oh là là, bon vous savez quoi, on va chercher compliqué. On va remonter en haut. Ah on peut pas l'ouvrir, très bien. Mais si on peut. Oh c'est génial, merci. Putain mais merci infiniment là.
Oh là là, quelle bande de mongoliens. Toi là-bas, à terre. Ah non, par contre, toi, va te faire foutre. Non, je ne prends pas l'holochrone. Ah, et là, c'est le grand mystère, là. Mais qui y a-t-il derrière? Parce que moi-même, j'ai pas vraiment compris. Hein. En fait, l'holochrone, c'est le père de l'apprenti, donc le père de Starkiller, celui qu'on incarne, qui l'a laissé. Enfin, c'est tout un bordel. Sur la version PS2, il était encore en vie, le père. Et en fait, c'est même nous qui le tuons, qui mettons fin à ses jours. Bon, par contre, là, c'est super beau. On dirait Star Wars The Old Republic. Sur un point. Te voilà seul maître de ta destinée. Le côté obscur est puissant en toi, mais tu peux encore être sauvé. Le sang d'un vrai Jedi, mon sang, coule en toi. Mais tu dois affronter les épreuves Jedi. Cherche au plus profond de toi. Tu sauras quoi faire. Cherche au plus profond de toi. Très bien. Bah voilà, au plus profond de toi. Alors ça, c'est une vraie connerie, hein. Ça, je vais pas vous mentir. C'est justement ça, ils auraient pu faire une meilleure épreuve et... Ah oui, mais c'est vrai, il y a un boss où on verra un moment... un gars masqué, en fait, qui sera nul autre que Starkiller s'il échoue. Qui deviendra un peu comme Vador, c'est-à-dire apprenti de l'Empereur. Et en fait... On aura deux choix à la fin et ça dépendra... un choix, ce sera le bon côté et ce sera la bonne fin. Étant donné qu'on le revoit plus, Starkiller, dans les autres Star Wars. Et il y aura une autre fin où Dark Vador il mourra et on sombrera dans le côté obscur et c'est l'Empereur qui nous demandera de tuer certains Jedi. Et ça, c'est les DLC justement, je vais rien spoiler des DLC parce que là encore le jeu, là ça fait longtemps qu'il est sorti le jeu, donc j'imagine pas que j'attirerai grand monde avec ce let's play. Oula, attendez. Là, ça va être chaud. Hop là. Putain, ne fais pas le con, 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 fais pas le con. Allez. En fait, ça, c'est les épreuves Jedi. Super chiante. Parce que franchement, là, ce passage-là, il est très très moyen. Hein, franchement. Qui est passionné par ce que je suis en train de faire là? On bute pas du clone en masse. Mais c'est ça aussi Star Wars. Il y a une vraie vision d'artiste derrière Star Wars. C'est ma saga de film préférée. Donc, bon. Donc je suis bien placé quand même. Et moi au moins quand je me dis fan, je suis... Oh non, 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 non! Par pitié, non! Bon bah attendez. Hein. Putain de merde. Très bien. Donc... On continue... Voilà. Tac. Voilà. Et nous y sommes. Presque. Ah, alors ça aussi, c'est une vraie connerie. Il va falloir trouver... En fait, si vous voulez, là, ce qu'on fait... Faut chercher l'endroit qui est censé être bon selon eux.
clairement, c'est chiant. Non, non, non. Putain de merde. Voilà, on n'a pas besoin de lui en fait. Et regardez derrière. Voilà à quoi on ressemblera si on échoue. Ah. Allez! C'est pas moi qui suis nu en QTE! Ok, donc là en fait, si vous voulez, l'attaque qu'il me fait là. Oh non, mais encore. D'accord, j'avais pas vu que je lui avais infligé des dégâts en fait. Alors que moi, vous croyez que ça va lui faire le même effet? Putain, quelle galère! Tracker noir, il s'appelle, très bien. Non, va te faire! Il me semble que si on tombe trop de fois, on crève vraiment. Ah non, mais j'en ai une fourre. Mais vous voyez, c'est de la pure connerie. Hop là. N'importe quoi. Ok. Allez, Oh non. Donc là, il m'a encore fait son sort où c'est plus du tout les mêmes touches. Autant vous dire que c'est injouable, hein, cette confusion. Je vais m'énerver. Ah ouais, sauf que là, il a fait une putain de grosse erreur. En fait, on peut pas l'esquiver, ça, je crois, parce que je bourrine depuis tout à l'heure, le truc, j'ai limite pété ma touche, en fait.
Ok, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Allez, attentif. C'est bon, on l'a eu, putain. Et tout redeviendra comme avant. Tu ne peux pas m'échapper. Tu m'entends ? Tu as trouvé ce que tu cherchais ? S'il y avait quelque chose ici, ça n'y est plus. Il ne reste plus rien. Alors, il y a eu un beau petit bug de sabre. Bon, bah écoutez, c'est la fin du DLC normalement, si je dis pas de conneries. On va voir ça dès le chargement, sauf que le chargement dure 1000 ans. Voilà, c'est la fin de ce DLC. Donc, le prochain épisode, ce sera de nouveau, on va reprendre le let's play. Et écoutez les mecs, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, et si vous souhaitez, abonnez-vous pour devenir un vrai Seigneur Sith. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.